Bonsoir, comment allez-vous? Toute femme veut être au foyer. Personne n'est appelé à être célibataire. Personne n'a voulu être célibataire. Mais quand tu te rends compte que tu t'es battu pendant des années juste pour avoir ton homme et que du jour au lendemain, une copine à toi te l'a arraché, ça fait mal au cœur, ça fait saigner, c'est-à-dire ça écœure, ça fait très mal. Aujourd'hui, vous allez constater que là, je suis en train de faire un travail que nous appelons maître du piquet, maître de la discordance, maître de la séparation de la vie de deux personnes. Ce n'est pas quelque chose qui est bien, mais il y a des cas où il faut intervenir spirituellement. Quand tu te rends compte, comme j'ai fait la vidéo au passé, quand tu te rends compte que ta propre amie, celle que tu as hébergée chez toi, celle que tu as nourrie, celle que tu as cherché un emploi dans le service de ton mari, elle a fini par prendre ton homme jusqu'à ce qu'elle est tombée enceinte de toi. Ça fait très mal. Aujourd'hui, beaucoup de femmes se plaignent parce que elles ont connu de la déception amoureuse tellement qu'il y a d'autres mecs qui sont devenus des lesbiennes. On a connu des personnes qui sont devenues lesbiennes à cause des cœurs brisés parce que elles ont souffert dans les foyers. Il y a eu des filles qui ont tellement eu de déceptions amoureuses jusqu'à ce qu'elles ont préféré maintenant devenir lesbiennes. Et ça fait très mal. Raison pour laquelle des fois, il n'est pas autorisé de juger son semblable. Je dis bien. Des fois, il n'est pas autorisé de juger son semblable. Il faut souvent chercher à connaître la profondeur de sa décision. Raison pour laquelle, de Scorpion, avant de faire quoi que ce soit, je demande la consultation. Quand tu es avec un partenaire, tu constates qu'il commence à dégamer. Quand tu es avec quelqu'un, tu constates que la personne ne veut plus de toi. Ma soeur, réveille-toi. Cherche à faire une consultation, à savoir le pourquoi de ce genre de comportement du jour au lendemain. Et sécurisez vos foyers, c'est très important. Sinon, vos soeurs vont vous arracher vos maris. Ça, je n'en doute pas.